Good morning, mes petits taillés! À matin dimanche, on va essayer de finir la campagne de Vanguard. Ça doit faire 17 ans que je peux jouer à ça. 17 ans. 7 stream. Ah, il y a une mise à jour. Okay. Allez, connexion. C'est long. Yes, campagne. Reprendre. Oh yeah. On était rendu où? Où qu'on était rendu? Ok. Ça me dit quoi avoir vu ça? Merde. Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne que tu peux pas? Wade, reste avec moi. Wade, allez, mon vieux. Prenez, s'il te plaît. Bienvenue au spectateur. Non, non, c'est pas ton heure. Je découvre où on a atterri. Alors je vais te laisser. Pense aux Yankees. Quoi? Tu sais que je suis fan des... C'est comme ça qu'on traite un blessé. J'ai besoin de ton arme. J'ai perdu la mienne dans le crash. C'est ce qui t'a causé. Et je suis censé faire quoi? Faut que toi te soigner. Ce serait dommage de crever et de rater la fête. Ouais, solide, solide. Ça me dit vraiment quoi d'avoir fait cette émission-là. Pino, t'arrêtes-tu de sauter partout? Il va tout péter, lui, il va tout péter. Faut que je m'échappe discrètement, moi je vais reculer. Il est là-bas. Lentement. Lentement. Pour focaliser, on voit à travers les murs, les arbres. C'est où faut que j'aille là-bas? Faut j'aille où là? Et je pense que je t'éloigne.
Ah, parfait. C'est là, fallait que j'aille. C'est quoi ça? C'est quelqu'un? Ah, c'est ça. Il faut pogner son gun à lui. Oh yeah! Bang, 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 bang! Il est bizarre. Un après un. Quoi? Oh non. Qui doit te les péter un à un. Un à un comme un vrai gangster. Come on, man. Viens-t'en. Une mission. Hop là. Allez, attends, toi. Le même gars. C'est quoi? Il y a trois balles dans, dans son gun, genre. Trac. Voyons donc. Charlie tire de moi. Là, c'est sauté par-dessus, voir. Calice. Crève. Hey, j'espère, c'est... Voyons donc, c'est donc bien stupide. Je déteste les vieux guns. Ok. Hey, il faut y'a le tir direct. Voyons donc. Et vous là? Les autres, ils me voient tout le temps. Là. Ils savent tout le temps, je suis où. Et vous là? Quand même un arbre. Je veux ta fucking mitraillette à 3 balles. Puis il tire, puis aussitôt que je la pogne, il y a 3 balles. Tirer la corde, là, ça va faire quoi? Donnez-moi une mitraillette. Quoi? Allez! T'es bien long! Bon. Hey, ce vieux gun de tabarnak. Donnez-moi une mitraillette automatique des années 2010. Ça prend 17 ans et demi à recharger. En haut, tout le monde. En haut, là-bas.
sont où? Ah, il est là. Ah! Fuck it. Oh, fuck it, pour vrai. J'essaie de pas les tuer. Peut-être pour ça, ils donnent un gun tellement de merde. Trouver Mathéo. On va essayer de rester sneak, bro. Sneaky. Sneaky. J'ai pas vu. Un petit monde là-bas aussi. Quelqu'un là. Il faut qu'on aille là. On va te trouver, Mathéo. C'est Mathéo? Ah! Appelez à l'aide. Mayday, Mayday! À toutes les unités alliées qui entendront cette transmission. Ici le lieutenant Wade Jackson. Je demande un soutien immédiat. Un petit soutien. Il y a des Américains sur ce putain de caillou. Marche pas. Faut aller plus par là. On va s'aventurer dans la forêt encore plus profond. Ah, oh, ils sont toutes là! Marde! Marde, ils étaient toutes là! Faut attention aux pièges. À des trappes. Théo. Il y a quelqu'un là qui check. Faire bien attention à terre. Fuck, on peut pas passer par là. Non, on peut pas passer par là non plus. Ok, phew. Ah,
cours, 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 cours. Sneaky. Monte en haut là. Ouf, c'est sûr qu'elle aime voir. Une trappe. J'ai hâte de le trouver, ce Mathéo-là. Fucking Mathéo. Oh, un piège. Un avion. On va envoyer un signal. Sneaky. Ah, trouver Mathéo encore. Mathéo! Mathéo! J'arrive, pote. Il est où? Il est là? C'est donc bien sneaky comme mission, ça. Ah! Oh, trouver Mathéo sans tirer une balle, j'ai un trophée. Oh, Mathéo est en train de tuer méchant! Allez, Mathéo! Allez, Mathéo! Oh, putain! Merde, merde. On est ligoté raide. Lui, ça a été antenne, lui, je l'ai de même. C'était gratuit. Quoi? Avec son katana? Il pense à quoi, là? Ok, Chengados. Ah, c'est l'arme américaine qui arrive. Ah,
Putain, vous autres. Un vrai sauvetage. Ils sont toujours en vie. Sans blague. C'est le machiniste d'aviation de 3ème classe Hernandez. Et l'ingrat là, c'est des deux pièces d'accès. On s'est fait abattre. C'est pour ça qu'on est là. Sergent James Washington, armé. 93ème d'infanterie. Lenny, occupe-toi de ce gars-là. Vous avez des avions? Faut qu'on y retourne. On a déjà de la chance d'avoir des munitions. Alors des moustache. Avions. Moustache. Celui-là n'a qu'un poids mort. Moustache. Il va nous ralentir. Je t'entends, tu sais. Tu sais te servir d'une arme? J'ai appris les bases, tout comme toi. Sergent, on a de la compagnie! C'est moi qui commande maintenant, lieutenant. Contentez-vous de me suivre. Yeah, c'est une putain de mitraillette. Ah, c'est une putain de gun. En mode campagne, il y a des ennemis avec 15 armes différentes tout au long du jeu. Hein. Elle est où là? Ouf. Mission, les missions. Elle est où? Allez là. On reste concentré. On a encore du chemin à faire. On va faire ça, charger des camions, c'est sûr. Hé hey, vous êtes de la 93ème? Jamais entendu parler. Pareil que t'avais jamais vu un noir avant non plus. On fait généralement pas partie de ceux qu'on félicite. Non, un régiment de couleurs. Ouais. Si vous voyez des serpents ou des mille pattes, faites-moi signe. On sort de les marmites. Qu'est-ce qui va sortir? Tu vois quelque chose? Non, mais quand Thompson s'est fait descendre par un sniper, c'était sur un pont du même genre. On en traverse. Faut débusquer les snipers. Pelfrey, à ton tour. On se revoit au paradis. Servir d'appât. Tu veux y aller? Plutôt crever. Alors ferme-la. Et quitte pas cette canopée des yeux. Allez! Fumigène! À mon signal, vous donnez tout ce que vous avez à la Jesse Owen. Qui? Lancez! Ça veut dire fonce! Maintenant! Go! Let's go! Hop là. Mais toujours en un seul morceau. Ouf, ok. Hey, comment il peut me voir? Tu fais quoi, je suis là? Moustache. Non, 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 fais-toi pas sa télé comme ça, allez en bas. Faut se mettre devant l'écran. Ah, je suis seul dans le fond qui vise. T'es reculé ou quoi? Le sergent a survécu à la Grande Guerre et à Jim Crow. Et on arrivera peut-être à se sortir vivant. Baisse-toi! Fucking hell, sniper. Oh.
Ah, les missions de même, là, c'est que j'ai ça. Rester crouché, pas faire de bruit. Pourquoi ils se sont pas tirés, eux autres? Fuck you, man. Attends-moi ça, un sniper, je vais le tuer, esti sniper, esti Chris. Allez, allez, tu parles. Fucking Call of Duty, con. La vieille guerre, c'est cool la vieille guerre, c'est à chier la vieille guerre, je me fais tirer à travers les trucs. Oh, ben tu te fais tuer, je comprends pas comment pas me faire tuer. Couche. Allez. S'accroupir. On va surprendre le 6 sniper. Et oui, il est là. On est tout prêt. Fouillez la canopée. Et là, bienvenue aux spectateurs. Il est là, dans l'arbre. Oui. Ouvre le feu sur cette arme. Vieille merde. Et merde, fucking sniper, man. Yo, Griffy, what's up? Putain, ces enculés de japonais s'attachent aux arbres. Ces enculés de japonais. Ils ont envoyé la 93e aider la 23e à prendre ce caillou. Il y a une base japonaise pas très loin d'ici. Elle est protégée par une crête creusée. Le reste de mon unité est coincé derrière une porte close. Et on est là. Qu'est-ce que c'est, Bretard? Ça va super bien toi, Bradet! Bradet, man! Ça me tente à matin de finir la campagne de Call of Duty. Putain de merde, ils sont de où les autres? Là, laisse-moi aller me cacher! Moi, je vais me cacher dans la forêt, je suis un déserteur. Déserteur. Grenada! Y'en a un là. Ah, si oh, je vais oh. Bien, une fois, au fond musical, j'ai croisé Klaus Nittel qui jouait du banjo. T'as croisé Klaus Nittel? Ah là, tu me déconcentrerais avec ton Klaus Nittel qui jouait du banjo aussi. Ah si, j'aurais bien. Toi t'es là, les histoires à dormir debout. Oh dude, c'est une pinata, man. Ah, oh, je peux pas y avoir un snipe. Oui, je vais tous les sniper, les wong. La trampo à cheval? C'est de la trampoline à cheval? Ça devait être un cheval nain? Ou une grosse trampo? Il a tout le temps été olympien, Klaus puis Max. De la trampoline à cheval. What the fuck?
Tout le monde adore le Cotton Club. Trouve-moi une croix. En écoutant du Kenny Rogers. Ah, j'ai tué mon allié, c'est à lui de pas se mettre devant moi, j'en ai rien à chier de lui. Ah, les oiseaux! Les snipers! That's it! Grêler un à un. Oh, ils sont fait burn red. Aïe, lâchez-moi. Rosal Red Violet Argo, Class is dead, so are you. Class is dead, so are you. Roses are red, violet are blue. T'as joué. Monte là-bas. J'ai un chat qui tente. What the fuck? Moi je vais pogner par le côté de même, c'est roses are red, pygmées are jaune. Fait tirer en arrière. C'est quoi, ils se pendent de où? Les autres, ils se pendent dans notre bac. Ah oui, c'est un méchant. Lui aussi. C'est quoi the fuck? Ils sont où, mes alliés? Je pense que c'est un méchant. Allez, sort. Ben voyons donc. Faut que je l'ai clairement tiré, le gars, y'a rien eu. Toi, qu'est-ce que tu fais, mon pygmé, un matin, là? Ah, je pense que je vais pogner ça. Yes. Un gun des années 2000. Notre devoir envers notre pays ne prend fin qu'avec nos hommes. Hop là. Lenny a vraiment tout seul. Jonathan. Bah, qu'il reprenne l'arme de Lenny alors. On aura bien besoin d'un coup de main. Matteo. Okay, tout a manqué ça, j'ai voulu chauve Matteo tantôt. Mon frère a été déployé en Europe. Bon, ben, bye, j'ai. Ces garçons avec des nazis et des japonais. Eh ben, Hitler, je lui donne pas cher de sa peau. Absolument. Putain de merde! Tu plaisantes, j'espère. C'est de la folie. Ouh. Qui veut le Belfry Hernandez avec moi? Compris. Howard, tu vas être notre patron. Quand on aura coupé le barbelé. Je peux rien de tout le monde. Putain! À vos ordres, sergent. Jackson, un mot. Quoi? Tu vas aider Howard à... Quoi? Ensuite, une fois de l'autre côté, tu le couvriras. C'est compris? Vous pouvez compter sur moi pour tout ce qui est aérien. Mais ça, j'ai pas vraiment envie de mourir le nez dans la boue. Eh bien, fallait pas se faire abattre alors. Il y a une différence entre le suicide et le sacrifice. Et tu ferais mieux de l'apprendre. En silence, les gars. Howard, Jackson, à gauche. Les autres, suivez-moi. Jackson, viens m'aider. Yeah.
Les autres, ils rampent dedans, les barbelés. Un petit coup de main. Ils s'en vont où? On n'a pas toute la journée. Il était temps que tu te salisses les mains. Après toi. C'est quoi, on est dans un champ de mine là? T'es pogné mon con hein? Qu'est-ce que tu fais avec tes grosses bonbonnes de cave? Pas mal. Pour un pilote. Bordel de merde! Laisse-moi te débarrasser! J'apprends vite! Il va me donner le lance-plombe, que j'ai clairement pas envie de prendre. C'est l'heure de se venger! Ok, très bien. Fais plomber ces quatre mains! La quatre mains! C'est quoi une casemate? Bien, mon homme! C'est bon, c'est fait. Utilisez la flamme sur la casemate. Allumez la casemate. Ta 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 ta. Ok, je rentre là-dedans avec le lance-flamme. Oh, babe. Oh, les gars ici. Sur la colline. Rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Pourquoi il attendait juste moi, lui? J'ai des balles. Entrez là-dedans! Allez! Allez! Fuck you all! Putain, c'est fort. Bon, il y a des balles. Un vol de munitions. En mode campagne, ramasser des munitions sur 15 ennemis moins de 3 secondes après avoir tué. Aïe aïe. Pareil, hein? Faut le savoir. C'est compris, chef! Lâche-nous, tu vois. Qui c'est qui? Qui c'est qui? Qui est méchant? Je sais même plus qui est méchant pis pas, c'est ça mon problème dans ces jeux-là. Je fais pas la différence entre les bons pis les mauvais. Je pense que j'ai tué un allié. Grenada!
orphelin. Mange pas de balle, mange pas de balle, mange pas de balle. Sinon je crève. C'est sûr je crève. Un méchant. Ouf, un peu plus je me faisais... On occupe ta jambe. Ça a l'air d'un bon gun ça. Un gun à tambour ou... Je vais me faire baïonnetter, il y a personne qui va me protéger, il va arriver derrière moi. Un moustache, qu'est-ce que tu fais à aller là? Complètement autiste, couche! Couche! Allô? Un autre gun qui a l'air sick. Ah, oh, et ça c'est mon style de gun en salle. Jackson, incendie de dernier canon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Moumou? Gardez vos distances. Qu'est-ce qu'il y a, moustache? Oh, moustache. Tu m'as déconcentré, je vais y crever. Ça va pas bien dans ta tête? Pourquoi tu lances ça là? Tu viens de prévenir toute l'armée japonaise qu'on était là. L'invitation n'est pas pour eux, mais pour le reste de mes hommes. Pile à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Moumou? Lieutenant, tu te préviens. Qu'est-ce qu'il y a, moustache? Maintenant, soldat. Parlez à Booker. On va finir le travail. Vers le hangar. Près de la tour radio. Qu'est-ce qu'il y a, moustache? Faut qu'il faut aller là-bas. Un bombardier Val. T'as un pilote sous la main? C'était donc ça ton plan depuis le début. Mes gars peuvent prendre la base. Ralentir les Japonais. Mais avec un soutien aérien. Qu'est-ce qu'il y a, les chats? Ce serait plus facile. Je suis ton homme, sergent. J'espérais que tu dises ça. Alors on y va. Tu sais faire atterrir ce truc comment? C'est pas ça qui va m'arrêter. Allez! Faut rejoindre les chars! Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez, bébé? C'est des ennemis, ça? Run! Oh putain, c'était ça. Oh, c'était fourri, ça, comme... Allez! Faut rejoindre les chars! La colline. Oh, deux one shot. Et ah bête. J'ai lu. That's it. That's it. Ah! Vite. Tourelle. Les gars ils passent à côté de toutes les ennemis comme s'il n'y en avait pas, genre. Puis les autres ils sont jamais tirés.
crève. Puis les chars sont méchants. C'est des méchants chars, ça. Faut qu'on pète les chars. Je dis quoi? Voler l'avion. On va starter. Bonjour aux nouveaux spectateurs. Ok, faut que je m'en aille par là. C'est quoi ça? Je le voyais arriver de côté. Je... Aïe aïe aïe. Bon, faites-toi pas éclate là. Run, run, run. Je me fais charge. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Type 99 à Bayou. Type 97. Oh. Bye bye. Ben oui, le chat. Attention, Pinot, là. J'ai un autre gun que ça, please. Ah, y'a quoi, là? Non, y'a rien ici. Oh, mon avion! Mon avion! Ben oui, le chat, ben oui! On va vous pousser hors du hangar! Prenez ça! Et tu ferais mieux de la prendre. Sortez-moi d'ici! Emmenez-nous jusqu'à la piste de décollage, on se charge du reste. Sortez-moi d'ici! Non. C'est une fourmilière de chinois. Dessus. Ah oui. Bah. Oh yeah. Bande de connards. Yeah, j'en aurais plus besoin. Ce que tu sais faire. Alors, on finit ça en avion, quoi. On va dire que oui. Oh, je savais que t'allais faire ça. C'est parti.
les hommes de la 93e ont changé Wade. Ils ont fait descendre cet aviateur téméraire de son nuage et lui ont montré à quoi ressemblait la guerre terrestre. Là, il a appris que pour gagner, il fallait s'appuyer sur les autres. Plus que ses beaux discours, ce sont ses actions. T'as vu Moustache, c'est une belle histoire. Wade Jackson. Une belle histoire. Je me fiche de ce qu'il a fait avant. Wade nous a abandonnés à Hambourg. J'ai pas confiance. Je comprends. Mais on n'est pas dans ce trou à cause de lui. On est dans ce trou parce que des putains de boches pensent pouvoir diviser la meilleure équipe que j'ai jamais connue. Par des nazis, même si on s'évade, on va se faire descendre avant d'avoir atteint la porte. Peut-être pas. Oui, bébé, oui. J'ai une idée. Une bonne. On voulait tromper Richter comme il se doit. C'était risqué. Mais on n'avait pas fait tout ça pour finalement lâcher l'affaire. Pauline a été la suivante. Et on a pu se préparer. On savait qu'elle tiendrait. Allez, Pauline. Pauline. Content de vous revoir, Fräulein. Je vous en prie. Je vous en prie. Votre drôle de petit bureau est exactement comme je l'imaginais. Dites-moi ce que votre équipe manigance. Lady Nightingale. Wax pen. Stalingrad. La ville qui a stoppé l'invasion nazie à l'est. Si elle avait fléchi, toute la Russie serait tombée. Les Allemands ont sous-estimé l'envie de vivre des Russes. Ils ont sous-estimé la ville et ses défenseurs. Paulina a symbolisé l'espoir pour son peuple. Mais elle ne voulait pas être une héroïne. Elle cherchait Wax Pen à se venger. Va arriver, là. L'arrogance du Troisième Reich a été de croire qu'il pouvait réussir là où Napoléon avait échoué. Peut-être que s'il n'avait pas fait face à quelqu'un d'aussi féroce que Lady Nightingale. Là. C'est vraiment une histoire incompréhensible, ce Call of Duty là. Ça se tient. Il est jamais loin d'un carnage. Allons-y. Non, attends, non. On devrait regarder qui c'est, histoire de prévenir leur famille. C'est un tir de sniper, précis. Tu crois qu'ils sont c'est toujours... possible. Ok, il y a plus de couverture par là. Viens. Ok, on est Paulina. Alors comment comptes-tu éliminer Steiner, Lady Nightingale? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Ah, Paulina Petrova. C'est un symbole d'espoir pour les survivants, Paulina. Paulina. J'ai quoi d'autre, là? Ok, au moins. Pas fucking handgun. Aux alliés de Lady Nightingale. Tous ceux qui prêteront refuge à cette terroriste seront sévèrement punis. Oh. Bien, montons par là. Un Jägerner nerf de Schneider. T'entends ça? T'entends quoi? Tiens, regarde. Sur ma droite. Steiner. Il se dirige vers le quartier commercial. T'avais peut-être raison au sujet de Jägermörder, Michel.
Allons-y avant qu'on perde de vue. Misha, attention! On est en plein milieu de tir 3D! Là-bas à droite. Utilise mon couteau pour faire diversion! Attends, quoi? Fais-moi confiance! Je les occupe! En haut. Là. Putain! Il peut voir le reflet de ta lunette, Paulina! Fais gaffe! Putain! Je vais attendre de me... Je suis prête à tirer! Je te couvre! Ah, je l'ai eu! Enculé! Ok. Il y a un. Et là, je sais pas où. Je sais sans où. Maintenant. Allez, t'avais. T'as marqué comme shot ça. Maintenant! Davai! Ok. Un shot. À toi, Misha! Je les occupe! Hey, that's it! On y va! Puis sniper! Hit! Poursuis Steiner. Ah, je vais passer là-dedans. Ah. Un chien. Ouh. Misha, il est là. C'est quoi là-bas, mon gars? Misha, j'ai besoin de toi! À ton signal! Hop là! Un mort. Allez. Peu de munitions. C'est quoi d'être? C'est quand tu veux. Merde, you snipe. Il est où l'autre snipe là? L'autre snipey! Oui les bébés! Ils sont encore là! C'est Michel ça! Contact devant! That's it! Je pouvais pas sortir de ma zone pantoute. Oh, c'est loin. Merde. Ça c'est le meilleur.
fait le saut. Il reste un snipe en haut. Sniper. Ok, il y en a un là-bas. Oh, fuck. On peut pas juste courir dans le tas dans le jeu. Ok, on va prendre ça. Il y a cette balle. Le chien va pop. Le chien va finir par se pointer. Oui, Charlie. Non. Là, oui. Il est où, le chien? Ah, il est là. Il fallait jouer le chien. Ok. C'est bon. Sir. C'est quand même hardcore comme place, hein? Toutes les snipes sont abattues. Ah, il est là. Oh, c'est une top du casse. Ah non, c'est vrai. That's it. Que je suis les autres. Il est là. Ah, que j'ai de la voir. Putain, mon cave. Ah. Putain.
autres arrivent. Cette merde. Attendez, où les autres? Il y a d'autres snipers là. À coup de main. Davaille. Là-bas. Allez. À Stalingrad, il n'y a de place que pour une seule grosse élite. Bordel de merde, Paulina, un Jäger murder. Jäger murder ou ça? Ferme la porte. Il sort de où lui? Perdu dans le boucan. Putain, on malade dans la gorge. Ok, je peux pas le tuer, lui. Cave. Et enfin mort. Il a l'air. Je les imaginais pas si coriaces. Rien ne t'obligeait à l'affronter. Quoi? C'est pour t'aider. Tu l'as eu. Allez, on bouge de là. Il en reste un là. Ah non, c'est l'autre. Micha. Un petit bar, un petit saloon. Comme si t'étais rendu tout ce temps-là. Après tout ce temps-là, il était juste rendu là. Ça fait 1h30 que je me bats dans le chien en avant. Vivement que je puisse lui mettre une balle dans la tête. Merde. Ça craint. Pourquoi ça craint? On peut pas tirer d'ici, ils sont bien trop nombreux. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va, Micha? C'est pas si grave que ça. Ok, arrête de bouger, je vais regarder. C'est un mauvais signe. En effet. On n'a pas le temps pour ça, Sœurette. Tu m'entends? Faut que je te mette en sécurité pour te soigner. Tu ne vas pas mourir ici. Allez, bouge. Je t'amène au bureau de poste. Tu risqueras rien là-bas.
Respire, respire. Je suis là. Appuie-toi sur moi. Reste bien appuyé sur la blessure. Oh non, 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 non. Faut qu'il arrive avec le shotgun. Reste avec moi, Misha. En haut, aux autres, là. Ah! Oh, c'est si stressant, là. Il se rapproche. Fuck, je suis là ton. La ferme, tu veux? Je te tiens. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé? À sortir de là. Écoute, il faut juste... Non, tu délires. Allez, il faut qu'on avance. Paulina, va-t'en. Non. Tu couvres l'ouverture. Moi, je vais les contourner. On n'a plus le temps. Okay. Va-t'en. Je vais les retenir. Petit frère. Putain. Ça va aller. Va-t'en. Merde. Sans feu d'ici. Impossible de se relever, mais je vais juste me pencher. On est où? Placer des combres. Je sais que tu es là, quelque part. Lady Nightingale. Aïe, aïe, avoir mon sniper, on aurait pu défoncer Dredd ici. Oh. Putain, salopard. Ah, man, ils m'ont vu.
toutes les niquer, moi. Fais mon cap. Fais mon cap. Grâce à un mouvement, ils te pogneront pas. You et là. On reste 9 balles. Par surprise, lui. Bon, allez, là. Ici. Ah, où l'espace étoile, là? Ah, ils sont juste là! Lady Hartingale. Come house. Spider-Man. Nobody see me, I'm like a ghost. Je n'ai pas oublié un. Nope. Je suis pas là en bas. Faut que je monte le top. Faut que je grimpe pour. Spider-Man. Oui. Hop. Mais il va falloir que je snipe, c'est clair. Il me cherche. Il cherche Paulina. Bon. Je vais m'endormir dans leur petit... dans le petit bureau. Ah, oh, si tu sens ton sniper. Oui, les bébés. Snap. J'étais si proche du but. Ouf! À l'époque, je sors de ma cachette. Couche. Ok, faut pas sortir de là.
exprimer de bien plus grandes menaces que toi. Petite, tu es seule. Marde. Que je suis là. Mais voyons donc. Je vais m'arranger pour les repogner. Ah, c'est genre où qu'on était tantôt. C'est quoi ça? C'est une flashlight. Ah, ils sont partout dans la place. Sont où? Ah, là, là, là. Run. Ils sont derrière moi, ok. Ça vite. Et là. On n'a pas encore fini, Rossignol. Elle se tient dans la tête. M'enfuit.
Ah, ça va être bon, ça. Le Volkstrom Gun Gun. That's it, les deux. En haut. T'es en face, mon homme. In the face, my home. Des balles en masse. Un bug? J'étais pas supposé me rendre là. Ça a bien buggé. Hey, what the fuck? Oui, ça va être fort, ça. Putain, il était où? Trouve encore là. Je suis sûr qu'il y en a même pas. C'est juste que genre le jeu réalise qu'à chaque fois qu'on bouge pas, qu'on est dans une place en tant que tel, on se fait tirer de quelque part, il y a même pas personne. Ah, il est là. Tu es là, tout de suite. Mon écœurant. Mon vieux, toutes tes troupes, pouf, envolées. T'en fais pas, tu vas les rejoindre. Il est rendu là-bas, ok. On va run vers Stein. Munterstein. Ça va peut-être être un boss démoniaque. Non, le Requiem. Oh.
ça que tu penses? J'avais deux guns en passant à stick. On est rendu à 1h33 du stream. Par là. Oh. Oh. Bang! Casse-toi la gueule, Paulina. Batty Steiner. Derrière moi. C'est quoi le rapport? Deux fois, je plante mon couteau dans les côtes. Inutile d'essayer de t'enfuir. Il est pas mort. T'as déjà perdu. Tuer Steiner. Ah, faut que je m'approche de lui. Il s'est enfui. Il va être juste là. Ah non. Toi et tes putains de nazis. Vous mourrez ensemble ici, à Stalingrad.
Trouve-toi un gars, Nastic. Tu m'as tout pris! Et maintenant, c'est l'heure de payer pour ça. La lumière a fait un câble. Aucune satisfaction. Ma mort ne changera rien. Nous vous exterminerons tous. Tu feras rien du tout. Pas moi. Herr Freisinger. Herr Freisinger. Il terminera ce qu'il a commencé. Tu vas crever, enfoiré de nazi. Ordure. Tout ce que tu m'as laissé, c'est ce couteau. Je pourrais... C'est dingue. Vous êtes tous pareils. Je compte même plus combien d'entre vous j'ai tué. Et vous déblatérez tous les mêmes conneries pathétiques. Freisinger. Il est censé me faire peur. C'est rien de plus qu'un autre facho de merde. T'en fais pas. Je m'occuperai de lui juste après. Tu pensais que t'allais prendre ma ville et écraser mon peuple. Chris là en bas, si. Tu as tenté de me briser. Chris là tu en bas. Tu as échoué. Tu as créé Lady Nightingale. Et maintenant, c'en est fini de toi. Bonjour. La célèbre Lady Nightingale a évité la chute de Stalingrad. Ses actions ont poussé les Russes à reprendre leur ville et à passer à l'offensive. Bon. Bonne affaire. Paulina a changé le cours de la guerre pour les Alliés et son peuple. Avec une telle réputation. Elle allait forcément attirer notre attention. Maudite affaire. Freisinger est un simple officier sur le front est. Quelle importance. Ça, on a beaucoup pour moi, Fräulein. Fräulein. Joli le briquet. D'après mes renseignements, Freisinger avait recruté Steiner pour un projet, disons, plutôt atypique. Project Phoenix. Possible. Tout ce que je sais, c'est que... J'ai été envoyé pour tuer Freisinger. Il y a sûrement un meilleur moyen de sortir d'ici. Il n'y a aucun moyen de sortir. À moins, bien sûr, que vous n'ayez décidé de devenir raisonnable. Ouvrez cette foutue porte et vous verrez si je suis raisonnable. Vous pouvez me faire sortir de là? Quoi? Je peux. Espèce de traître. D'accord. Je vous dirai ce que vous voulez savoir. Putain d'Australien! Aucun honneur! Aucune loyauté! Et pas dans ta arrête tout de suite! Je peux pas être
la prochaine victime de ta croisade, Crosby. J'espère que le plan valait le coup. Bonne chance, Lucas. Je pensais que vous sauriez mettre un terme au plan stupide de votre équipe. Oh. Vous vous entretuez maintenant, c'est ça? Sortez. Sortez de là! Sortez. Je sais pourquoi vous voulez coopérer. Je n'accepterai pas non plus d'obéir à un nègre. Vous vous trompez, l'ami. Je ne vous suis pas. Sa couleur de peau, je m'en fiche. Vous savez pas ce qu'il y a entre les Australiens et les Britanniques? On était la merde sous la chaussure de la couronne. Oui, bien sûr, mais vos nations sont alliées. Non, non, c'était plutôt de la soumission, vous voyez. J'ai fait tout ça parce que pour les Rosbif, les gens comme moi n'ont aucune valeur. Tobruk. Insolent. Grossier. Habitué des séjours en prison. J'ai nommé Lucas. Il faut reconnaître que le SOE a un don pour dénicher des talents dans des endroits improbables. Car oui. Lucas avait du talent. C'était un expert en démolition au tempérament explosif et à la langue bien pendue. Dans le désert, les rats de Tobruk étaient une véritable famille. Malheureusement, ils n'ont jamais vraiment supporté l'autorité. Quand tu veux, princesse. Je savoure ce moment. Bon, bien entendu, toutes mes excuses, votre majesté. Hé, hey, Louis, avec toi. Faut partir à ça. Ah, oh, bordel, pose-le tes cartes, putain. D'accord, mais... T'as plus qu'à chialer. Oh, espèce de salaud, j'y crois pas. Je peux savoir pourquoi vous êtes pas à vos postes. Vous pensiez vous la couler douce. Major, le convoi approche. Bien. Vous, les rats, suivez-moi. Et pour une fois, comportez-vous en soldat. Les rats de Tobruk. Oui, chef, non, chef. Tu vois, c'est ça qui ressemble à un vrai soldat. On peut dire que tu sais lui tenir tête, Louis. Va te faire foutre, Dess. Qu'est-ce que fait Hams ici, de toute façon? C'est le Major. Il peut faire ce qu'il veut. T'as eu de la chance. J'étais sur le point de prendre ma revanche. Tu peux toujours y aller. Je suis imbattable. Quoi? C'est ça, et mon cul, c'est du poulet? Yup, play. Les explosifs sont prêts. Lucas et moi les avons placés nous-mêmes. Monsieur, tenez vos positions. Le timing doit être parfait. J'ai besoin que... Oh, fuck. On les a en visuel. C'est quoi là-bas devant? J'ai de la discrétion. J'imagine que c'est à moi de le faire. Sergent, je sais. Non, mais le blindage est trop épais. On n'est pas équipé pour ça. Ok, attaquez les chenilles. C'est le seul moyen de l'arrêter. Je dois me concentrer. Non, mais attendez les chenilles, ok? Attendez, non, attendez! Graine. Il croit que c'était une mine. Oh. Oh. Fuck. Je pensais que c'est moi qui donnais les ordres. Ah. Lucas et moi les avons placés nous-mêmes. Monsieur, tenez vos positions. Le timing doit être
besoin de se concentrer. On les a en visuel. C'est là. C'est quoi la bas de vente? À moi l'honneur. Merci. Chef, le repère est ce premier rocher. Oui, je sais. Ça, c'est un char. Les Allemands ont des chars, soldats. Ouais, mais le blindage est trop épais. On n'est pas équipé pour ça. Nom de Dieu. Visez les chenilles. C'est notre seul moyen de m'arrêter. Je dois me concentrer. Non, non, Major, attendez les chenilles. Non, attendez! Vous m'avez déconcentré. Papa, là! Une mine! Il croit que c'était une mine! Lucas, tu pourrais lancer une grenade dans la trappe de ce char. Laisse les baisser. Ouah, splendide, mec! Fais l'attaque! Fais l'attaque! Oh yeah. On passe par ici à droite. On va niquer toutes les dailles. Qui est-ce que c'est? Dai. Chris. That's it. Ça a éclaté. Ouais, il me restait seule vie, sick. Point de contrôle atteint. Lucas, fouille celui-là au fond. Assure-toi qu'il soit bien mort quand même. Oh non, putain de merde. Quoi? Ces pneus sont crevés. Pas aller loin. C'est un simple raid, mais la moitié d'une matroche qu'on voulait partir en fumée. Major, il reste un camion en bas de la crête. Eh ben, prenez des rats et rattrapez-le, Jacot. On y va. Ils sont bons pour renifler la poussière. Mais quand vous aurez fini, marchez à l'œuf, ça va prendre toute la nuit, putain. En avant, soldats. J'irai pas loin. Attendez, il reste un survivant. Ça peut s'arranger. Où c'est un survivant? C'est vos rêves, connard. Les croyez plus nombreux. L'un qui est mort dans le camion. L'autre abruti a dû s'enfuir. Alors, ouais. Trouvons-le. Tu sens vrai. Suivez sa trace. Génie, ça, Jacob. Toi, soldat, c'est chef. Moi, c'est Tess.
chasse. Et on n'en a strictement rien à foutre de ton grade. On sait tout de toi, Jacob. Silence. Il appelle qui ? Par ici. C'était pourri. Il a peut-être fallu que j'attende avant de tirer ma grenade. Fuck le magnum pour vrai. C'est les malades. Ils sont où les autres? Ils sont où les derniers? What the fuck, je tirais à... Ils me voyaient pas assez. Voyez pas eux autres, des vrais attardés. Je suis en train de faire 11h30 déjà. J'ai trouvé quelque chose. Faire mes films dans pas long, on va faire 2h. Il semblerait qu'un des officiers de Rommel soit passé par là pour rejoindre un campement. Je sais pas de quel genre, je reconnais pas, c'est ça. Alors allons voir par nous-mêmes. Je viens d'envoyer une fusée des renforts pour appliquer. Non, on retourne à la base, on prévient le major. On peut pas le prévenir si on sait pas ce que c'est. Oh, grosse neige dehors. Ok. Allons y jeter un œil. À partir de maintenant, il va falloir être plus discret. More discreet. Discrets. Cette route devrait nous mener tout droit au campement. Dans les bras des proches, tu veux dire. Quittons la route avant de nous faire repérer. Vite. Ah, y'a du monde ici! Y'a du monde dans le désert pareil! C'était trop long avec la pitch! Oh non! Oh non, j'ai manqué ma shot comme un vrai grenier.
c'est de même ça marche, Call of Duty. Rêver gang de cave. Il me reste une balle pour le prochain cave qui se met devant moi. Quand tu veux, tu peux. Bon, donnez-moi des balles. Mon salopard. Ah, notre biche. Reloading. Yeah, boy. Quoi? Très fort. Bravo, Robert. Robert Jax. Là, c'est ça, on va passer par là-bas. Dans le tunnel, quoi? Dans le tunnel. Plus de café, moi. Plein de monde. Oui, les bébés. Deutsch campment. On arrive direct par derrière. Direct par derrière. Mais visiblement, c'est trop difficile pour toi. Très drôle. Occupez-vous des papiers. Moi, vous savez ce que je vois? Une tonne de trucs qui pourraient exploser. Alors, qu'est-ce que tu proposes? On devrait tout faire. Mais les oreilles me font mal. Qui mange? À part le véhicule à gauche. À propos des missions de droit. À propos d'essence à droite qui demande qu'à exploser. Pose une charge, pose dans une mission. Ah, le jeu, il y a freeze. Yo, mes poudres de rien sont hauts. C'est sûrement une grenade à lit en plus. What?
je vais poigner de derrière. C'est dans quoi, faut lancer une charge. Ah, c'est là-dedans. Mais où lancer? Boum. C'est ça. Je vais crève. 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 Dans le dépôt de carburant. Hein? Hop là. Crève. Ok. Aïe, je suis poigné. On dégage, on dégage. Putain, un peu plus, je vais rester poigné là. Chez le café. C'est chaud. C'est où faut que je la mette? Le char là-dedans? Détruisez les chars. Posez une charge pour ça dans le dépôt de carburant. Là, ça a l'air moins chiant à faire que c'est. Hop, hop. Un autre effet. Oui, les bébés. Les balles, les balles, on va reload. Ils sont donnés! Je crevais. Bang! Ok. Faut que je sorte d'ici. Oh plus de tabarnak! Ah, si je rentre, pas le temps de sortir. Go, go, go! Ok. Fais sauter ce char, Lucas!
Détruisez les chars, ok. Il est pas détruit déjà? Il va détruire le char. Ah. Oh. Je vois ce qu'il voulait dire par les chars. C'est tous les chars. Non, lui. Deux. Troisième, il est où? Fais-toi ce char, Lucas! Une et. C'est terminé. C'est terminé. Hein, moustache? Il a pas sauté? Mal fait! Ok, là ça va être bon. Ça, ça va être bon. Bye bye! Bordel, c'était du génie, Lucas. Oh, j'arrive pas à y croire. Observe, Jacobs. T'as encore beaucoup à apprendre des rats. Bravo, Jacobs. Attendez, vous entendez ça? C'est un avion. Parti par là, on va se cacher où? On va se cacher où? Suggère quoi? Pas d'objectif. Hide yourself. Lucas! Abattez ce tout cas. Tire sur cet enfoiré! Tant qu'il nous cherche encore! Allez, come on! De où tu te sors? Continue de tirer! Salut, tire, d'accord! Merde! Les vaches arrivent par la route! Fuck! Fuck you, man. Bon, il est où l'avion, là? Il est rechargé. Il revient pour un nouveau passage. Allez, plaît.
Les soignés, les soignés. Putain, putain. What the fuck? L'avion c'est chop quoi. Allez l'avion, viens-t'en. That's it. Sur les côtes de la Libye italienne, un soldat australien et un groupe de rats ont laissé à Rommel un énorme cocard. Leurs actions auraient dû leur valoir une médaille et même un brin de respect. Mais Hans n'était pas de cet avis. En récompense, ils ont fait un petit séjour en cellule. En revanche, tout ce qui intéressait Richter était le lien entre Rommel et Freisinger. Cet idiot a écouté Lucas aussi longtemps qu'il nous fallait. Die Stadtverteidigung wurde gebrochen. Das gesamte Personal wird über die Tunnel evakuiert. Ho, ho, ho. J'ai compris, tunnel. Et il a dit quoi d'autre? Nous avons très peu de temps. Dites-moi, qu'attendait Freisinger de Rommel? Je pensais que c'était notre équipe qui vous intéressait. Répondez immédiatement, notre marché ne tient plus. Ok, ok. Va falloir se détendre le slip. Lucas s'est débrouillé comme un champion. Il n'avait rien à dire de plus à Richter que les mensonges que les nazis lui avaient déjà servis. C'était le Troisième Reich. Leur réalité. Le Troisième Reich. C'est une illusion. Certains auraient pensé Lucas incapable d'un tel miracle. Mais en fait, il a tiré la chance. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Et pourtant, Lucas a réussi à se trouver à Tobruk puis à El Alamein. Tout le monde savait pour la victoire des Alliés en Afrique du Nord. Mais elle n'était pas due au commandant britannique ni au puissant char d'assaut. Lucas détenait l'histoire cachée et Richter godait. Bon, ben, moi je vais finir le stream là. Ça fait déjà 2h17 qu'on joue. Puis je commence à avoir la grosse dalle. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Puis on se voit une prochaine fois pour un prochain stream. Alright. Hans s'est fait plaisir aujourd'hui. Il doit sentir la promotion arriver.